Deuxième local recording, pouf, et c'est le début. On va faire la petite caquette de Memory Real. Oh, tous ces villageois à voler. Oh, tous ces vols. Toutes ces armures qui me tendent les bras. Oh. Parfait. Nous avons une hache pour me... C'est vraiment le pire des bâtards, hein. Mais c'est trop bien qu'on puisse choisir si on veut faire les petits vols comme ça à m'armer. Hop, comme ça lui a sa hache. Et on en parle plus. Ah, les temps sont durs pour les pêcheurs, ça je vous le dis. Les carpes rouées se font de plus en plus rares dans ces eaux. Allez savoir pourquoi. Comment je vais faire moi pour nourrir ma famille si j'arrive pas à remplir mes filets? Ah merde, Mais elle ne connaît pas toute l'histoire. Ah, peut-être que je fais questionner. Améliorer réputation. Ça va. Merde, mais Y, à chaque fois je me trompe là. Est-ce que ça je peux le donner au pêcheur? Ou pas? Ah putain, la logique quoi. Ah c'est vous, qu'est-ce que c'est que ça? Non, d'un absent. Mais c'est divin. On m'avait apporté à manger pour que je reprenne des forces, c'est ça, parce que... C'est pour ça, mais pourquoi alors? Sans blague, des caporafoles de ces crevettes? Si je m'en sers d'appât, pourrais-je peut-être remplir mes filets à nouveau? Bah oui. T'as, par contre, c'est pas mal, c'est qu'on a pas d'indication. Faut aller logiquement faire les choses. Je crois, il y avait pas de points sur la map. Ouh, et en plus on gagne des items. Bon, là j'ai questionné le daron là. Avec la faculté de l'apothicaire. Donc peut-être que maintenant j'en sais un peu plus si je lui parle. Voilà, on va lui faire part de ce qu'on sait. Ouais, faut tout lire. Je suis pas né ici. Mais c'est impossible, vous mentez. Cela ne se peut. C'est pourtant la vérité. C'est pourtant la vérité, ma chérie. Mais toi et maman. Je suis désolé, mon ange. On aurait dû te le dire plus tôt. C'était il y a 19 ans. Une femme a donné naissance à une fille qu'elle a appelée Meryl. Elle est venue chez nous et nous a supplié de veiller sur le bébé jusqu'à son retour. On n'avait pas d'enfant, même si on en voulait depuis longtemps. Tu étais comme un don du ciel. Mais... On a attendu qu'elle revienne te chercher, mais... Les mois ont passé, puis les années, et on a fini par te considérer comme notre propre fille. Tu n'es peut-être pas la chair de notre chair, mais on t'aime comme si c'était le cas.
Je t'aime aussi, maman. Ah, c'est maman qui a dit ça ou c'est papa? Ou d'un moment, je sais plus. Je suis désolée. Elle saura peut-être me donner des réponses. C'est un poste que je recherche depuis longtemps. Fais comme bon te semble, ma chérie. On priera pour toi. Merci, papa. La personne qui a jeté cette bouteille à l'autre va vivre quelque part en amont. Je me mettrai en route dès que j'aurai fait mes bagages. Je trouverai la personne qui a écrit cette lettre. Ah, oh, je suis désolé, Meryl. Hop, j'ai une petite ceinture en plus. Je pense que je peux l'équiper, je sais pas à quoi elle sert la ceinture. Attaque plus 50. Oh là là, j'en avais besoin. Alors, aptitude. Ah, pas encore, pas encore, pas encore. Et c'est déjà pour notre ami. Est-ce que je fais ça ou ça? Je pense que je vais plutôt faire ça. Ça va être mon debuffer. Et il a appris une aptitude de soutien. Récupère 1% des dégâts infligés par les attaques normales sous forme de PT. Ça c'est fort. Ça on aime. Bon, trêve de bavarderie. Il est temps de faire route vers... Non. Primrose. Primrose, non. Ombrelle. Direction Ombrelle. Pas besoin de mettre de crème solaire. Lol. J'espère qu'on ira pas en prison. À l'ombre. Ombre, prison. L'expression. Ah non. Xé. Oh merde, une armée de crapaud ninja. Ouais. Mais je vais pouvoir le capturer. Double frappe. À moi, crapaud ninja. Oh, ça dégage. Tiens, les feux d'artifice là derrière chez moi, ça casse les couilles. À moi les pétés. Attends, mais je suis déjà allé par là. Attends, mais oui, 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 c'est pas du tout par là. Okay.
Ikimashou. Hop, ça c'est fait. Ça va peut-être trop. Ah. Ah. Ça va peut-être trop. Kakatte koi. Sore demo. Dou omoku? Hop. Allez hop, ça c'est fait. Qui c'est qui a up? J'ai pas fait attention. Mais je suis full débile, c'est pas par là qu'il faut aller. Et puis vous, vous me dites rien là. Dans le chat, vous servez à rien. Vous savez pas me dire, mais Fufu, c'est pas à droite c'est la grotte. Ah bon? Ben oui. Ah, mais fallait me le dire plus tôt. Non. Et partir le cutie. Bientôt 500 PC. Putain, avec ça, il pourra en faire des choses. Il pourra en envoyer des emails, je vous le dis. Miner du Bitcoin. Hop. C'est la petite sauvegarde. Alors. Vers Ombrelle. Ah. Salut. Qu'as-tu à voler? Merde. On va le faire tanker un peu quand même. Oh là là, la gueule qu'il a. T'as mis prend aucun dégât. Ah bah ouais, va vraiment falloir qu'ils coupent parce que what the fuck, ils font mal. World Boss, ce bordel. Putain, ça sert à rien ce sort. Oh, les rudis. Oh, il récupère un PT à chaque coup. Oh,
dû la capturer. Wow, le crapaud ninja, il fait mal. Ah direct, je veux ça. Hop, ça dégage. T'as la salamandre là. Anzo, appelez-moi Anzo la salamandre. それでは。 Ça c'est fait. T'es tellement forte la hache. En Z, vu que c'est le flic qui a capturé. Oh, ça y est. Nouvelle compétence avec Therion. On va pouvoir... Alors c'est quel niveau alors au final? Parce que les points de compétence, voilà. Réduit la défense physique d'un ennemi pendant 2 tours. Frappe un ennemi 2 fois avec sa dague, 5% de dégâts physiques sont convertis en PT. Transfère 50% de ses PT à un allié. Putain, il a rien de zone. Réduit la défense physique d'un ennemi pendant 2 tours, c'est pas mal. Mais frapper un ennemi 2 fois avec sa dague, 5% des dégâts affligés sont convertis en PT. Les PT c'est tellement important. Surtout ce qui serait pas mal, et là j'ai été bête, ça aurait été de débloquer vol de PT avec partage de PT. Comme ça tu voles un max de PT, vu que je fais pas mal de dégâts avec la dague, et tu partages tout avec un allié. On va prendre ça. 1000. Une nouvelle aptitude de soutien. C'est quoi? Augmente la vitesse du personnage de 50. 50. Ça va. Mâche. Transfert de PT peut être pas mal. Oui, mais j'en ai besoin en fait avec mon personnage. Donc je vais jamais utiliser le transfert de PT, tu vois, vu que j'ai un sort de feu. J'ai le debuff et tout. Donc je serais plus enclin à voler des PT qu'à les partager. Par contre, quand j'aurai le vol de PT, mais j'en aurai un peu plus entre guillemets à l'infini, bah le partage sera plus... Voilà, tu vois, enfin t'as compris. Je pense qu'après moi je développerai ça, résurrection. Euh...
Ouais, j'avoue, t'as vu, je suis un petit peu tacticien dans ma tactique. Je pense après je prendrai résurrection avec elle et avec toi. Ça c'est vraiment la merde. Coup de grâce ça peut être pas mal mais je sais jamais à quel PV sur les ennemis donc c'est bof en fait. Par contre ça c'est pas mal. L'ennemi touché agira en dernier pendant 2 tours. Ou bien de la foudre. Parce que j'ai pas de sort de foudre en vrai. Pas ouf les sorts de la prêtre. Ouais, c'est ce que je me dis aussi depuis tout à l'heure. Mais bon, après, c'est une illusoire père. Donc, il a fait des dégâts sacrés. Prenons en compte cela, mon cher ami. Mon jeune PS1. J'espère qu'un jour Twitch permettra de stream en 2K, les amis. Et augmenter le bitrate. Histoire que. Si je puisse vous mettre un bitrate d'enculé, quoi. En plus j'ai des vols de PV, vols de PT, ouais non c'est frais. Il a 666 PV. Terrible. Je pense qu'on va se débarrasser des dards d'Arnian. Putain mais rate tout. Putain, il faut que je booste d'abord ma précision. Avant. Chaque fois je le dis et chaque fois je le fais pas. Infection. C'est quoi ça, infection? Qui a infection? Bah c'est pas... Il soigne je crois. Attends je vais regarder. Non il met du poison. Ça peut être utile sur ces putains d'escargots. Et après plus je booste, plus je pense que le poison dure longtemps en fait. Donc contre un boss, genre tu lui mets un poison genre pendant 8 tours. Ce serait pas mal. Un petit vol de PV, attention. Combien de dégâts il a mis là? Attends, je vais regarder, 2 tours, 4 tours, 6 tours, 8 tours. C'est dommage que ça ne fasse pas ne serait-ce qu'un tic de dégâts quoi. Ça fait partie de l'entraînement. Hop, 80 PV. Ah oui, on peut l'envoyer chaque tour. Les musiques ont l'air cool, les musiques sont génialissimes. D'ailleurs, je suis un peu déçu de ne pas avoir le collector du jeu. Ruisse Claire, Ombrelle. Ah, c'est beau d'avoir des panneaux. On commence à maîtriser un peu le game, il commence à devenir intéressant. J'ai hâte d'avoir partage de PT avec Therion là. Et ce sera encore plus ouf. Bah attends, j'ai vu un coffre. I see a chest. Bah en fait, je m'attendais tellement à pas avoir de VF sur Kingdom Hearts que ça m'a pas surpris l'annonce en fait. Voilà. Mais je suis déçu. Je suis déçu. Comme tout le monde. On est tous un peu déçus.
Kizé. Orayo. Oh là là, j'ai envie de farmer à l'infini pour avoir 1000 points de compétence. Normalement, elle devrait moins rater. Bah mon trou du cul quoi, mon trou du cul qu'elle rate moi. En fait la question c'est pourquoi je tape en fait avec mon terrion. Je fais vol PV tout le temps en fait. Ça fait limite plus de dégâts. T'en vas tester. T'en vas pas taper sur un ennemi neutre. 105, il a récupéré 96 PV. Il a tapé à peu près 200. On va dire. Et si je fais une attaque normale? 124. Ah mais Therion c'est mon Rouya. Attends, ça revient à zéro les PC. Oh, c'est plus du farm là qu'il faut, c'est une vie. Tu me diras, on est déjà à presque 100. Attends, c'est une blague. Oh putain. C'est une blague. Et ça pour avoir une noix, une pauvre noix de cajou, vous allez voir. Bah attendez, je vais mettre pause sur la VOD, sinon ça va durer indéfiniment, ça va énerver les gens. Ah, ah c'est la danseuse. C'est un des meilleurs personnages. Alors... Plutôt pas mal... Oh, 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 oh là là, mais je me sers. Mais je me sers. Oh, enfin une dague! Putain, on avait marre d'avoir des haches pour les connards là! Attaque P 65. Ah merde! Ah non, c'est ça! Ah, empoisonne occasionnellement l'ennemi. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On passe de 26 à 52. Et esquive 22. Allez hop! Ça c'est moi qui régale. Est-ce qu'il y a moyen que je me repose là histoire de récupérer quelques pétés? On peut en tirer un plus modeste. Hop là. C'est une auberge ça? Une taverne. Alors est-ce que je peux me reposer pour récupérer des pétés? Oh là là, mais on va larciner tout ça les gars. Que des gens riches. Oh non, ça c'est de la merde, ça m'intéresse pas. Ouh là là, rend tous ces PT et PV à un allié. Oh là là. Je vais pas tenter de voler ça, lui on peut rien lui voler. Ouh. Du critique. C'est pour Bibi.
Et le critique, c'est pour Bibi. Hop. Plus 10 PT, c'est pour toi. Toi, t'as pas d'accessoire? Allez, je te donne de l'esquive. Ça sert à rien, mais... prends-le quand même. On peut attirer à très bon prix. 3%, je prends pas de risque. Crit, plus pour la chasseuse. Laissez-moi tranquille. Bon, ce vide. Oh. Putain, mais je suis un voleur hors pair. Bourse lourde. Et hop, et leur vie ne m'intéresse pas. J'aimerais me reposer, cher ami. Écoutez une histoire. Ah, quand même, pas d'histoire. Équipement. Est-ce que tu vends mieux que la Dague Faucon? Eh non. Il ne vend pas mieux que la Dague Faucon. Modifier le groupe. Moi je pensais qu'il pouvait faire quelque chose d'intéressant, moi. De toute façon la chasseuse elle peut s'auto-donner du crit, donc à la limite. Mais non, la dague, pour moi la dague c'est le critique en fait. Tout est lié. À l'auberge est là. Dormir. Sans boulesse. On va dire oui hein. Ah je dors. Un peu de repos, j'en fais pas de mal au copain. Voilà. Hop, quand on est en forme pour faire la... la danseuse. Hop, acheter. Lance de guerre, lance des ténèbres radieux. Oh, cette puissance. Dague perforante. Oh, elle est mieux que la dague que j'ai volée. Mais elle était gratuite l'autre, donc je vais pas l'acheter. Attaque élémentaire, je m'en fous. Bouclier rond. Ah. Par contre, le bouclier, c'est utile à tout le monde. Je gagne 10... carrément 10 de stats pour chaque truc, pour chaque personne. Ce serait peut-être intéressant d'en acheter au moins 3. Tiare sacré. Ouh, la tiare. Ça peut être pas mal pour notre healeuse. Attaque élémentaire. Et ça, ça peut être pas mal pour notre healeuse aussi. J'ai envie d'acheter ça pour la healeuse. Déter, ouais, déter. Bah tu regardes les stats à droite, regarde la healeuse là, ça c'est la, ça et ça c'est genre god tier quoi. Genre les longs pt, 164 pt, de l'armure à foison et tout, et ça la même hein. De l'armure et de l'attaque élémentale à foison. Ouais j'en ai acheté un. Hop. Et la tiare. Attends. Là, elle est devenue god tiare. Ça, j'ai limite envie d'en acheter 3. Hache occulte. T'as heureusement que j'ai volé l'autre dague. Hein. 7500, waouh. Wow. J'aurais plus d'argent. Gilet bronzé. Gilet de bronze. Attends, je vais regarder quand même avant. C'est bon. Vu qu'elle a plus son truc, elle a celle qui a tout équipé. Oui.
crois qu'on est archi bon là. À part un bouclier, un petit bouclier pour tout le monde et. Machalux. Genre 10 points, je sais pas quoi. Ouais, je vais les optimiser parce que là on va commencer à rentrer dans une phase. Là c'est bon, lui il en a pas besoin, il a déjà la défense physique qu'il faut. Et voilà, comme ça on prendra un peu moins cher. Parce que le serpent il m'a mis mal à l'aise. Mais là en tout cas la Ophelia elle est opti aux petits oignons. Mais aux petits oignons. Hop. Après j'aurais peut-être dû continuer à voler. Lui j'ai volé, c'est bon. Et ben on va continuer hein. C'est parti, on va voir la petite danseuse. Car pour moi, franchement, une des plus. La... Franchement, le début de la danseuse dans la démo, elle m'avait. C'est trop stylé. Hop, toi, qu'est-ce que tu as? Oh merde, 8%, je tente pas. Enfin, je l'ai retrouvé. L'homme à la marque du corbeau, l'assassin de mon père. Ouais, même le voleur. Elle se nomme Primrose. C'est une danseuse d'ombrelle. La vie, le mille plaisirs, éternellement plongée dans l'ombre. Au mille plaisirs. Et il ne parle pas de leurs fruits. Dépossédée de sa fortune après la chute de sa noble maison, elle travaille à présent dans une taverne victime des pires abjections infligées par Elgenish, son cruel maître. Elle endure cette vie dans l'unique but d'assouvir sa vengeance. Un jour, il est apparu un homme portant la marque du corbeau. L'un des trois scélérats qui ont assassiné son père. Avec l'aide de Lusfa, son unique ami, elle se précipite hors de la taverne en direction du labyrinthe souterrain. Il lui faudra l'aide d'alliés loyaux pour emprunter la voie qu'elle a choisie. Oui, Primrose. À la place de qui? Merde. Therion trop utile, beaucoup trop fort. Ophelia trop utile, c'est la healeuse. Elle ou lui? Lui il fait quoi? Il fait du poison. Il peut soigner. Elle, elle rate tous ses dégâts à l'arc. Mais elle a des invocations pas mal. Allez Alphine, tu dégages. Team Waifu! Team Waifu! Team Waifu! Par contre, Olberic va longuement remplacer elle. Oh, elle va dégager direct. Commencer l'histoire à son début? Oui. Putain, en plus, je viens de les optimiser, quoi. La foi est ton bouclier. Même quand ton épée est pointée contre ton cœur. Devise de la maison Azelbert. Azelart. Elle fait quoi, Primrose? Aucune idée, je me souviens plus. Elle danse. C'est une danseuse. Elle a une magie trop pétée. Si je me souviens bien, elle a une magie assez pétée. Si je me souviens bien, j'ai dit. Magie des ténèbres. En fait, c'est un peu le côté obscur de la force. En fait, la... Oh putain, les feux d'artifice, c'est le bouquet final. En fait, en gros... Elle peut emmener un PNJ avec elle, sauf que par exemple, la prêtresse elle va le faire de manière gentille en disant suis-moi s'il te plaît. Alors que la danseuse va l'attirer en mode bad, tu vois, en mode charme. En fait, chaque action a son côté clair et son côté obscur. Défier, provoquer, voler et après peut-être un autre truc, marchander. Donc tu pourras acheter des objets moins chers, mais bon voilà. Voler, marchander, guider, séduire. Tu vois le délire? C'est amusant quand on y pense. Toute chose dans ce bas monde entre dans l'une des... Toute chose dans ce bas monde entre dans l'une de ces deux catégories bien distinctes. Oh là, ça pète! Les choses qu'il vaut mieux savoir et celles qu'il est préférable d'ignorer.
Geoffrey Azelhart. Je crains que vous ne soyez mêlé à une affaire de la seconde catégorie. Je n'ai rien fait. Je n'ai fait que suivre mes convictions. Je ne regrette rien. Yo superstition. Je me doutais que vous diriez quelque chose dans ce goût-là. Merci de me faciliter autant la tâche. Ah mais il parle, j'arrête le doublage. Moi j'étais chaud là, je vous faisais la VF. Franchement, suivez bien si vous connaissez pas du tout ce personnage. L'histoire elle est énorme. Dans la démo, c'est l'histoire elle m'a énormément touché. Je trompe de touche depuis tout à l'heure. また、あの夢。余裕ね、プリムロゼ。本番の前に居眠り？ やっぱり売れっ子は格が違うわ。ふん、そうやって済ましてりゃいいさ。 プリムロゼだって所詮酒場の踊り子だもの。飼いならされて男に媚びるだけの小さな女よ。ええ、そうね。し、無駄口はそこまで。ヘルゲニッシュ様よ。ぐずぐずするな。客が待ちくたびれてるぞ。 前座どもは言った、たっぷりと稼いでこい。 出来の悪い猫どもめ。プリムロゼ、お前だけだ。 わしが頼りにしとるのは。 身に余るお言葉ですわ、支配人様。 お前が舞台に立ってからこの酒場は大きくなった。だが勘違いするなよ。誰のおかげか分かってるな。はい、感謝しています。無知な小娘にわしが一から教えてやったんだ。 Attends, t'as rien vu. Oh! Aizowarai wa dou shita? Dare no okage de ii kurashi ga dekiteru to omotteru? Ippashi no odoriko ni naru made sodatete yatta no wa kono washi da. Ii ka? On wo wasureru na yo. はい、支配人様。それでいい。わしは素直な猫が好きだ。舞台が終わった。
ならいつものようにわしの部屋において優しく撫でてやろう。プリムロゼ、出番だ。わかったわ。たっぷり愛想を振りまいてこい。はい、支配人様。ça me dégoûte. Mais moi aussi. La taverne est par ici. Après le tournant, je ne dois pas m'attarder plus longtemps. Par ici, Primrosé. Allez, vite! Ah, je vais pouvoir vous proposer un doublage français de qualité. Comme Kingdom Hearts 3. Je vais faire toutes les voix. Tu en as mis du temps, Primrose. Je me recoiffais. J'espère que ça en valait la peine. Tu es notre meilleure chance d'avoir de quoi manger ce soir. Et les clients s'impatientent. La voilà enfin! Veillez sur moi, père. Veillez sur moi. Ce jour-là, j'ai juré de me venger de ceux qui vous ont arraché à moi. Les trois hommes à la marque du corbeau. J'ai quitté la demeure familiale pour suivre leur piste. Une longue piste qui m'a mené ici. J'ai appris que l'un d'eux faisait souvent halte dans cette ville. Ce n'était qu'une lueur d'espoir, mais je n'avais rien d'autre. Jusqu'à ce que je le trouve, je suis prêt à endurer les pires abjections. Perdre mon honneur ne sera jamais aussi douloureux que la vie sans vous. Père. Père. Je n'aurai de cesse que je retrouve ces trois hommes. Alors jusqu'au jour où ma vengeance sera assouvie, je danserai. Je t'aime, Primrosé ! Que dirais-tu de notre privé, Madus ? Rien que toi et moi. Vous êtes trop aimable et bien trop séduisant, si je puis me permettre. Tu as fait du bon travail, Primrosé. Regarde un peu dans quel état sont tes sandales, Primrose. La lanière s'est cassée. Retourne en chercher une autre paire. Avec plaisir. Yo! Ah, c'est vraiment la meuf qui fera tout pour sa vengeance. Ouais. Son histoire est tellement touchante. Né. Papa. Je vais jouer dans une pièce de théâtre. Je serai la princesse et tout le monde me regardera. Tu viendras me regarder aussi, hein? Bien sûr, ma chérie. Merci beaucoup, monseigneur, j'ai hâte. Et devine quoi, papa? Quand je serai grand, je serai une belle danseuse, la vedette de la scène. Une danseuse? C'est un rêve qui vaut mieux oublier. Mais pourquoi, papa? J'adorerais discuter. Et là, ma chérie, tu vas devenir une dame distinguée quand tu seras grand, n'est-ce pas? Comme la princesse de ta pièce. Alors, ils vont aimer éviter de dire ce genre de choses, surtout dans cette ville. Mais pourquoi? C'est mal de danser? C'est tellement amusant! Elle est si belle! Bonjour, petite.
Oh là. Nena, viens par ici. Rentre quoi, l'auberge, je te... que je te mette au lit. Papa a des affaires à régler ce soir, d'ordre... pénitien. Et ce soir, belle donzelle. Je devrais m'en mettre au travail, moi aussi. C'est un peu la femme fatale du groupe, 100%. Alors je fais bien les voix de fond. Une épine. Oh, que quelqu'un apporte un mouchoir. La pauvre petite Primrosée semble saigner. Elle s'est peut-être fait une ampoule à force de danser avec tant de passion. Tout va bien, Prime. Pourquoi lui fait la voix de Maître Gibbs? Ce n'est rien, j'ai l'habitude. Hey, vous croyez pas que vous allez un peu trop loin? Ça vous réjouit à ce point de voir les autres souffrir? On est toutes logées à la même enseigne. Toutes les joies du maître. Et on sait ce qui arrive aux filles qui le contrarient. Est-ce que vous l'auriez déjà oublié? Rouée de coups et jetée dans le caniveau. Laissée pour morte, malade et affamée. Ça suffit. On est toutes parfaitement conscientes de la situation. On sait de quoi il est capable. Alors pourquoi tourmenter l'une des nôtres? Merci, Lusfa. Mais tu n'as pas à te mettre les autres à dos pour moi. Prime. Oui. Hey, pourquoi diable vous l'entendez miauler ainsi? Rentrez vos griffes, vous avez du travail. Vous croyez que l'argent apparaît dans mes caisses comme par magie? Allez récupérer vos pourboires. Pas toi, Primrose. Tu restes ici. Primrose. Qu'est-ce que c'était que ce spectacle lamentable que tu nous as donné? Tu crois que je suis aveugle? Il m'a suffi d'un seul coup d'œil pour me rendre compte que tu avais la tête ailleurs. Eh oui, je vois toutes les pensées qui traversent ta jolie petite caboche. Et ce soir, tu ne pensais pas à tes pas de danse. Ike. Tu n'as pas oublié ta dette, j'espère. Tu n'as pas oublié à qui tu appartiens. Tu es consciente du sort qui t'attend si tu oses me défier. N'est-ce pas, chaton? Je t'avertis parce que je tiens à toi, Primrose. Je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose de fâcheux à ma vedette. Pardon, maître. Je vous prie de m'excuser. Je me remémorais simplement le jour où je suis venu à vous. Tiens donc. Il ne se passe pas un jour, pas un instant, sans que je vous sois reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour moi. Veuillez pardonner ma distraction momentanée, maître. Cela ne se reproduira pas. Ma chère Primrose, ma très chère Primrose. Moi aussi, je repense souvent au jour où tu as frappé à ma porte. Rien que de t'imaginer danser pour moi, si douce et innocente. Cette perspective me délectait tant. Et tu as su combler toutes mes attentes. Tu es devenu mon meilleur investissement. Mais aujourd'hui, tu m'as contrarié. Il va falloir que tu te fasses pardonner. La taverne n'est guère remplie ce soir. Va donc faire un tour dans la rue et rameute des clients. Des clients assez riches pour couvrir les frais de la semaine. Si tu y parviens, je me montrerai peut-être clément. Enfin, dans la mesure du raisonnable, chaton. Vous êtes trop aimable, maître. Je sais pas pourquoi je lui donne cet accent, mais je trouve que ça lui va bien. Bravo, Prime! Tu es la meilleure actrice que je connaisse!
Comment tu fais? J'ai envie de vomir à chaque fois que je dois l'appeler maître. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé récupérer tes pourboires? Je m'inquiétais pour toi. Comment va ton pied? Quoi? Tiens, serre-toi de ça. Un mouchoir? Ça devrait au moins arrêter saignement. Tes meilleures douleurs, Fufu. Ah! Je vais faire qu'il ne perçoive. Utiliser l'action spéciale. Appâter des clients à la taverne. Bon, il est temps de faire mon autre numéro. Celui-là m'a l'air prometteur. Quelle belle soirée, n'est-ce pas, Milord? Peut-être aimeriez-vous la passer en ma compagnie? C'est tentant, mais je suis en voyage d'affaires. Et je dois reprendre la route demain matin à la première heure. Ces affaires dont vous parlez doivent être fascinantes. Vous pourriez peut-être m'en dire plus autour d'un verre? J'aimerais beaucoup faire plus ample connaissance. Je crains que ce soit impossible. Je danse dans une taverne non loin d'ici. J'aimerais vous faire un numéro spécialement pour vous. Séduire. Allons, dites-moi la vérité. N'aimeriez-vous pas passer un peu plus de temps à mes côtés? Oh, mes aïeux! Je ne saurais résister à tant de beauté. Venez par ici. Ah! Montre-moi donc! Voice acting de qualité. Oh. Parfait. Ces poches sont bien suffisamment remplies. Yes. Beau travail, chaton. Tu auras droit à un traitement de faveur ce soir. Vous me faites honneur, maître. Iso. Les clients commencent à affluer. Fais le tour de la salle et veille à ce que leur verre reste plein. Mais c'est ça que je veux ouvrir avec l'argent des abonnés, faites des dons, abonnez-vous, et j'ouvrirai un cabaret comme ça, avec que des superbes danseuses. Je ferai des streams avec plein de meufs en petite tenue qui agitent leur nibar derrière la webcam. Je serai balé de Twitch. Puis-je remplir votre verre? Oh. Oh, Primrose, à chaque fois que je te vois, je te trouve de plus en plus charmante. Nous n'avons pas eu plaisir de vous revoir depuis longtemps. Comptez-vous passer le reste de la soirée avec nous? Oh, oh. Oh, oh. Je resterai bien aussi longtemps que tu me le permettras, ma belle. Oh là. Et bien entendu, chaque donateur aura droit à une soirée gratuite. Open bar. Privé. Ah oui! Je vais devoir y réfléchir dans ce cas. Je repasserai vous voir plus tard. Matana. Je reviens. Ce ne serait pas. Sur son bras gauche. J'attends ce jour depuis si longtemps. Et vous voilà enfin devant moi. Cette nuit. Enfin, justice sera rendue. Oh. Non! Il ne va pas s'en tirer comme ça. Oui. Où comptes-tu aller? On dirait que cet homme a attiré ton regard. Eh bien, chaton, ne me dis pas que tu as eu le coup de foudre. Maître! Oui, oui. Tu n'oserais tout de même pas abandonner le spectacle et tes clients avant la fin de la soirée. Remets-toi au travail, Primrose!
Ne m'oblige pas à te le dire deux fois. Tu te rappelles ce qui arrive au vilain petit chaton qui me hérisse, n'est-ce pas? J'ai arrêté l'accent, hein, c'est relou. C'est ma seule chance. Cette occasion ne se présentera peut-être plus jamais. Prime, que se passe-t-il? Je ne t'avais jamais vu aussi troublé. Dis-moi ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui peut valoir la peine de s'attirer les foudres du maître? Je vois, je m'occupe de tout. Je vais faire diversion. Sors discrètement par la porte de derrière à l'étage. Yusufa. Tu ne devrais pas t'en mêler. Tu n'as pas à te mettre en danger pour moi. Écoute, Prime. Si tu veux pas me dire ce qui te préoccupe, tant pis. Attaché. Mais ça n'a aucune importance. Je suis et je resterai toujours de ton côté. De... Putain, c'est... Une bromance. De mon côté. Quand les autres filles s'en prenaient à moi et essayaient de me remettre à ma place, tu étais toujours la seule à prendre ma défense. Tu ne parles pas beaucoup. Tu es toujours réservée. Distante même. Mais je comprends. C'est parce que tu ne veux pas accabler les autres de tes problèmes. Je te connais mieux que tu ne le crois, Prime. Et je sais qu'au fond, tu as bon cœur. Bon, Yusufa. Je... Merci. Toujours aussi avare de ses mots. Mais je ne la changerai pour rien au monde. T'as l'air adorable. Yusufa, ça devrait être la waifu. Yusufa. Quittez la ville et partez vers le sud-est que Katapon compte d'Ombrelle. Je peux compter sur vous. Attendez, faut que je lui fasse une voix d'enculé. Je peux compter sur vous pour m'amener les femmes dont j'ai besoin, n'est-ce pas? Non, ça fait un peu trop monstrueux, hein. Les subalternes compétents se font tellement rares de nos jours. C'est désespérant. Je vous assure, Milord. Je fais tout mon possible pour... Elgenish, nous sommes amis, n'est-ce pas? Et les amis se soutiennent mutuellement, non? Ils ne se déçoivent pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. J'ai vu une bien belle danseuse en ville. Ce genre de fille me plaît beaucoup. Merci Light pour le sub! Bienvenue! Ember te prend pour Death Gun, j'avoue. C'est bien ce que je pensais. Elgenish se connaît. Amenez les femmes à l'endroit indiqué sur la carte. Et tâchez de ne pas me faire attendre. C'est bien clair. Très clair, Milord. Voilà. Cette carte? Je dois donc me lancer à la poursuite de cet ignoble corbeau. Tout ça ne regarde que moi, c'est mon problème. Mais je ne vais obliger personne à me suivre. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Il n'y a pas d'interaction entre les personnages, c'est dommage. Tire cinglant. C'est une femme âgée. On va essayer de choper... Une nana balèze, et puis il faut XP Primrose aussi. Alors attendez, on va regarder un petit peu les aptitudes. Alors, la puissance des attaques physiques d'un allié augmente pendant 2 tours, inflige d'importants dégâts d'ombre à un ennemi. La puissance des attaques élémentaires d'un allié augmente pendant 2 tours. La défense physique d'un allié est renforcée pendant 2 tours. Inflige des dégâts d'ombre à tous les ennemis.
augmente la vitesse d'un allié pendant 2 tours. Après l'utilisation de cette aptitude, un étrange effet se déclenchera une fois. Inconnu, inconnu. Ouais, c'est vraiment une boosteuse en fait. Une boosteuse magicienne. Et c'est quoi son arme? Dague. Oh merde, je vois la dague. Ça, c'est pas une good idea. Ça, ça m'énerve. Qu'est-ce que je voulais faire? Tu me diras, elle a pas mal de boost. Ah oui, non, il faut que je trouve un mec qui m'accompagne. Ah, il a une lance. Bon bah on va prendre le... Et lui là. Ok, on peut rien faire. On va prendre le vieux. Coup large. Attends, est-ce que je peux séduire et guider en même temps? Non. Attendez, mais c'est pété. C'est-à-dire que je peux avoir deux PNJ additionnels? Ouais, je vais déséquiper l'autre meuf, ouais. Équipement. Ouais, mais elle est plus là. Attends, mais elle est où l'autre? Oh, attendez, faut que j'aille à l'auberge, je crois. Non. Faut que j'aille là-bas, que je parle au PNJ. Putain, je peux pas déséquiper l'autre. Bah, au pire, hey, je vais acheter un équipement, ça se fait en 30 secondes. Ça coûte des sous, mais au moins, voilà quoi. Parce qu'elles ont peut-être pas non plus les mêmes besoins. Parce que elle, elle a besoin de... d'une dague à 7500. Le problème c'est qu'elle joue qu'à la dague. Ah non, mais je vais la jouer en mode magie, je crois. Je vais la jouer en mode magie. Je pense que, parce que on s'en fout en fait de son arme au corps à corps, c'est sa magie et ses buffs. Donc je vais la jouer en mode magie en fait. Ouais, c'est ça, faut la jouer en mode magie. Et elle a des magies assez puissantes. Ouais, non, je suis débile. Bon, ça fait de l'argent dépensé, mais on s'en fout. Ce sera... Au pire, j'utiliserai sur un autre personnage. Parce que Anit, de toute façon, je pense que je vais la remplacer par par Olberic. Olberic, vous allez voir, c'est vraiment le bro. Hein. T'avais vendu ta dague à l'autre. J'ai acheté la dague. Parce qu'au pire, je mets la dague d'enculé à mon voleur. Ah mais non, on vous avait dit qu'on s'en foutait. Non, on s'en fout. Bah attendez, j'ai deux PNJ, ça c'est énorme. Ça se trouve ça pété hein. Bon allez, niveau 1, faut que j'essaie de la up niveau 12. Alors pour up niveau 12, je sais pas ce qu'il faut. Attendez, c'était quel niveau les terres radieuses là, enfin en bas? 11, ah parfait. Ah, si je vends la dague. Attends, je vais regarder combien il me la reprend. Parce que si je peux gagner quelques dégâts, je vais pas vous mentir que je dis pas non hein. Attendez. Genre si je lui vends ma dague que j'ai équipée, il la reprend combien ma super dague? 1008. 52, 22. Parce qu'elle me fait de l'œil cette dague hein. En
Oh non, il n'y a pas assez de stats. Non, il n'y a pas assez de stats. Pour le prix, il n'y a pas assez de stats. Il n'y a pas assez de stats. Allez, go, go, go. On va arrêter de se tournipoter, tournicoter, tournicota. Bon, bah, le temps de farmer, la VOD, je la mets en pause. Hein. Et voilà, après 6 heures de farm. Non. Donc, je disais. Après 6 heures de farm, après 6 heures de farm, on va fuir, fuir. Vous avez échappé à l'ennemi. Dark, je crois que pour le coup, je vais PC. Hein. Et voilà. On aura bien monté les niveaux. Il va m'échapper. Pas question. Ah ouais, merde, elle parle. Je vous fais pas le doublage. Est-ce que je vous fais quand même les voix malgré qu'il parle en japonais ou pas? Ou je ferme ma gueule. C'est vous Twitch qui choisissez. Vous êtes les seuls maîtres. Allez hop, je vous laisse le temps de me répondre, je bois un peu d'eau. Ferme-la un peu. Oh le bâtard! Attention, je te retiens toi. Shihaini. Aïe 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 aïe. Pourquoi je vais vous monter un peu le son, comme ça vous profitez de l'ambiance un peu malsaine. A fond. Hop, dans vos oreilles. Yusufa. リムロゼ。こうなるまで吐かなかったらしい。わしのしつけが足りんかったようだ。やめて！ユースさん！ そんなこと言ってる場合じゃねえ、プリムロゼ。私たちってさ、かな？え？私、ガキの頃にここに売られてさ、 周りは卑屈なやつばっかで、絶対群れるもんかって思った。でも、一人ぼっちで、本当は寂しかったんだ。プリムロゼだけは、周りと違ってた。どんな辛いことがあっても、いつも背筋伸ばして。 あんた見てると、私もなんか強くなれた。ユースト。ねえ、プリムロゼ。私たちってさ、友達かな？ええ、大切な友達よ。 終わったか？最後の演技はまあまあだったな。舞台でもそのくらいできりゃ可愛がってやったものを。ここまでよ。ああ、私がこの街で踊るのはここまで。今日限り やめさせてもらうわ。ほう。
心変わりしたのはあの男が来たからか？ええ、そうよ。醜い豚さん。なんだその口は。このメスが誰のおかげで生きてこれたんだ。決まってるわ。自分の足で踊ってきた。いつだってね。なんだと。長い罵声を浴びても虐げられた。そして今日ようやく仇の男が現れ。ラミュージック。もうあなたの下で踊る必要もなくなったわ。プリムロゼ、今ならまだ許してやろう。全ては嘘だと言うなら。支配人様の困る顔が見たかっただけと言うなら。そしてその汚い口を閉じ、いつものようにわしを満足させれば。おお、バッチライン。全ては砂に流してやろう。クソク。わしを噛んだ猫はすべて始末してきた。そこの、それのようにな。プリムロゼ、お前はとっておきだったのに。もったいない。もったいないよ。今まで散々。お世話になったわね、支配人様。さて、本番ね。行くぞ。アロー。マジックスティールだ。メアブ。当たるものか。頑張ります。Ah, il crée la lumière, lui, c'est pas mal. On s'est déjà calé tes lèvres. Bon, écrire la dague, c'est plutôt pas mal. Ah bah non, indomptable. What the fuck, la salamandre. Oh, il a réussi à l'empoisonner. Merde. Oh la vache, faut vraiment le stun la prochaine fois. Bon, il craint pas là.
Putain, il craint pas. Oh là 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 là, on lui met ce qu'il mérite. Bon là on va prendre cher. Mais il faut qu'il meure lui. Enfin putain. Hop, petit boost. Attendez, j'ai oublié le vieil homme. Oh là 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 là. Salamanda. Aïe 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 aïe. Ben voilà, quand on farm, ça se passe un petit peu mieux. Oh là 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 là. Plumelosé. Ah, là, y'a pas de doublage. Merde. Bah. Tu as toujours été différente. Les flammes dans tes yeux, elle brûlait plus vivement que celle des autres. J'ai vu défiler de nombreuses filles au cours des années, mais aucune ne t'arrivait à la cheville. Tu m'as fasciné dès le premier instant. Non. Allons, Primrose. Là, il parle maintenant! Les
Sayonara. La 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 la. Nous sommes enfin libres, mon ami. Elle est trop bien musique. Des sables brûlants, Primrose commença son voyage jusqu'aux neiges virevoltantes où elle poursuivit sa quête de vengeance contre les trois infâmes corbeaux. Où la mènera cette danse? Nul ne le sait. Et c'est la fin de la VOD sur Primrose. Des bisous.